Batize cancer. Da soco teria tua pessoa. Cancer. Da no nome de Jesus. Ara o moscoe. Aí a de seja que são lhe. Nandara. Esa chora. Aro mostore agora em Nandara. Iria anjo. Aro hoje me dizia já yes. Que o Senhor te livre no nome de Jesus. Use que ganza. Lève ta main. Wize. Si tu crois. Da ta uri mo ichuru. Oh mon Dieu qui est au ciel. Amen. Amen. Moi, ce qui m'est passé, c'est parce que j'avais un cancer de sang. J'ai senti beaucoup de foi. J'ai senti beaucoup de foi quand on priait. Et c'est la personne qu'on m'avait mentionné comme quoi j'avais le cancer de sang. J'ai senti beaucoup de foi. Il y a beaucoup de femmes qui vont pour la joie. Maintenant, ils ne donnent pas de foi. Mais il y a des chaînes qui sont derrière. Toi qui n'enfantes pas. Tu as essayé maintenant. Il y a plus de 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Toutes ces personnes que vous voyez, ce sont des mauvais esprits qui quittent. Que cet enfant, l'esprit mauvais, lâche-le. Dieu a un bon plan pour toi. L'esprit mauvais quitte. Yes, bakunze bazo muryo twangiye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo. Turifuza amahoro y'Imana kandi kugubwa neza. Bibe muri mwebwe turi I Burundi ibujumbura mu giterane kinini cyane cyateguwe no mukozi w'Imana witwa Chris Ndikumana cyiswe Kanguka Burundi ni igiterane kinini cyane igiterane cyagaragayemo imirimo n'ibitangaza bidasanzwe Imana yakoze imirimo ikomeye cyane mu mitima y'abantu benshi cyane hari ububyutse budasanzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo mwagiye mubona ibintu bikomeye cyane Imana yakoze ko atarabibona tugiye kuba umwanya kugira ngo mubyitegereze aho imbaraga z'Imana zakoze ibitangaza cyane abarwayi bagakira abafite imbaraga z'imyuka mibiza ziri muri bo basengewe cyane uyu mwanya bakiri gusengerwa ni ibintu bikomeye cyane byabayeho wabayeho gutambuka ku ijambo ry'Imana mu buryo budasanzwe no gusengera abantu ngira ngo mwabonye imitima ya benshi yahembutse abantu bongera kwakira agakiza ngira ngo n'umubare batabasha kubara kubera ubwinshi bw'abantu benshi batuye bakemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ndetse twabonye abantu benshi cyane bakize indwara kandi murabizi neza ko ubu byutse ahantu buri imitima ya benshi irakira abantu bakakira agakiza ariko kandi n'imibiri igakira ari nabyo twita indwara za benshi zikagenda zikira rero nibe bidasanzwe byabaye kandi turashima Imana cyane yuko Imana yabanye natwe hari abantu benshi cyane baturutse mu bihugu bitandukanye harimo abaturutse muri Amerika abaturutse muri Europe abaturutse muri Asia abaturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika natwe abaturutse mu Rwanda twahageze kugira ngo turebe imirimo n'ibitangaza Imana ikorereka rero tubareke mukurikirane ku bintu bimeze akantu ku kandi hanyuma Yesu akomeze kuba umugisha kandi akomeze kubajyana neza mu byo mukora byose ngira ngo murabona ko abantu bananiwe no gutaha abantu benshi baracyari cyayanga kubera ibihe byiza byabaye ariko nta kundi akaryo turasaba abana batakaye bari mu kibuga abavyeyi natwe hanyuma mukurikire uko ibintu byari bimeze Yesu aba umugisha mwinshi cyane kandi akomeje gusuhuza abantu bose bari hano I Bujumbura n'I Burundi abari ngaha mu kibuga bakuze muri ko murabona abantu bari ko baratembera mu bafashe bashobore kuza ngaha Zaburi nshya Tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushima Tuguhaye cyubahiro Tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa twahe cyubahiro mana tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa
Hallelujah. 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 Grace to thee, hallelujah. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Hakuna. Mungu kama wewe, ewe Mungu.
Niwe Alpha na Omega. Niwewe. Alpha na Omega. Tu es Alpha et Omega. Niwewe. Alpha na Omega. Niwewe. Alpha na Omega. Ewe Mungu wangu. Kesa ori je wazanga ha. Je demande au chantre de bien se présenter. Jésus a vaincu. Pour toi qui es encore lié. Toi qui es dans le désespoir. Même si tu veux te suicider. Il y a des gens qui ont perdu l'espérance. Il y a beaucoup qui sont liés dans le péché. Beaucoup alors sont des gens qui sont dans des églises. Ils vivent dans l'église. Ils vivent encore le péché d'adultère encore étant dans l'église. Aujourd'hui. Si Jésus venait aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel parce que tu vis dans le péché. Aujourd'hui, ceux qui peuvent rencontrer Jésus dans les nuées, c'est ceux qui ont crié à lui comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Yes, je vous aime. Jésus a dit, venez tous à moi. Vous tous êtes fatigués et vous tous êtes chargés. Mais le titre, le thème, il a vaincu. Dis, il a vaincu. Tu n'as pas encore connu qu'il a vaincu. Il a vaincu. Et que le diable sache Jésus a vaincu. Que Satan sache que Joshua a vaincu. Alléluia. Dis, il a vaincu. Encore, il a vaincu. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Dieu fait des jours qui me montrait des enfants qui naissent. Je suis en train de parler dans l'esprit des gens qui naissent dans l'esprit. Il est temps que beaucoup de gens reçoivent Jésus-Christ réellement dans leur vie. Nous allons prier, c'est vrai, pour les malades. Nous allons prier pour des sujets différents. Mais pour le moment si présent, nous voulons recevoir Jésus. J'ai besoin, je souhaite que toute personne qui est ici, tous les Seigneurs qui sont ici, je vous dis que nous tous nous puissions aller au ciel et que ce jour nous serons devant la table de Dieu et nous chantons disant la gloire et le bonheur de Dieu. Allons ça la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Jésus veut te sauver. Je ne suis pas venu te dire la doctrine de ta religion, mais je suis venu te dire Jésus qu'il est mort pour toi. Il faut que tu te prépares parce que nous avons entendu qu'il est venu tuer. Mais si tu n'es pas encore mort, si tu n'es pas encore mort aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu puisses recevoir, que tu sois ici, que tu reçois la parole, que tu reçois la bonne nouvelle. Mais tu peux avoir reçu beaucoup de nouvelles et qu'aujourd'hui c'est ton heure. Il est possible que ta soirée c'est maintenant aujourd'hui. Ces paroles que tu as entendues que je t'ai annoncées, peut-être tu ne les entendras pas le jour où tu vas ressusciter. Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont morts, tous se ressusciteront. Et quand ils seront là, même là derrière, nous serons ressuscités. Mais ça sera de deux façons. Les uns seront pour être revêtus de la couronne de la vie. Mais d'autres seront pour recevoir le jugement de Dieu pour leur mal. Alors je ne veux pas que tu sois dans ce dernier coup. Mais je voulais que tu sois sauvé. Que tu puisses avoir la relation avec Jésus. Ça ne demande pas de l'argent. Il se demande seulement que tu confesses et que tu appelles Jésus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous qui n'êtes pas encore été visités. Alléluia. Alléluia.
Warasifiwe. Gloire à Dieu. Et mbere yuko ndamugice cha kabiri, avant que j'entre dans la deuxième partie. Je gusaba. Je voulais d'abord demander. Uvugane no mutima wawe. Uvugane no mutima wawe. Que tu puisses vraiment garder ton cœur. Utaraje abantu bari nga. Pour tout ce qui est ici. Wewe gusa no mutima wawe. Tu ne regardes personne qui est ici, mais toi regarde ton cœur. Hamwe wowe ukekeranya. Si tu as un doute. Yuko hamwe wopa. Que si tu mourais maintenant. Que tu ne puisses pas aller au ciel. Si vraiment tu as un minime doute. Que tu as reçu Jésus. Je sais que tu ne devrais pas avoir de doute. Parce que la personne que je ne doute pas. Mais si tu n'es pas sûr que si tu mourrais maintenant, tu puisses aller au ciel. Je voudrais prier pour toi. Que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait vraiment recevoir Jésus? Si tu es ici et tu dis je voudrais recevoir Jésus comme ton Seigneur, qu'il soit ton Seigneur, j'aimerais lui donner toute ma vie et que je le serve, je le suive. Si et que si je mourrais, que je puisse aller dans la vie. Si tu es ici, si tu es ici, dis-nous à Satan, lève ta main. Yesu, Yeshua, arabona ayo maboko yose. Jésus, Joshua voit toutes ses mains. Yeshua, Machua, arabona ayo maboko. Il voit toutes ses mains. Alléluia. Bari abakizi kibazo mu bashane hajya. Ariyo tanze nyuma yo kwasengera. Les gens qui ont des soucis, vous pouvez les mettre ici derrière la tribune. Mu twere ariyo hajya kuri tanze twasengera. Il y a le lieu de prière ici derrière. Mais ceux qui veulent la puissance dans le nom de Yeshua, la puissance du nom de Yeshua se manifeste. Il y a des esprits qui ne peuvent pas résister quand tu parles de Yeshua. Quand les mauvais esprits disparaissent. Alors, la parole de Dieu dit. Il y a une grande fête au ciel. Lorsque une seule personne seulement, se répande. Il y a une grande fête. Il y a une grande fête au ciel. Il y a des chants, des chorales au ciel. J'ai dit combien de gens? Combien de personnes? Une seule personne. Mais là, j'ai vu des milliers de mains. Parce que le diable ne veut pas que tu puisses le quitter. Alors, si réellement tu veux le mettre dans la honte, si tu veux que Satan puisse aller dans la honte, lève-toi. Oui, non, quoi, Jésus. Viens, oh Jésus. Alléluia. Abadio, abadio, abadio. Ceux qui sont mis debout. Yes, y'a vous en haut. Yes, y'a vous en haut. Jésus a dit ceci. Vous avez dit Sony. Celui qui aura honte. Vous avez dit Sony, mais là, nous. Celui qui aura honte de moi devant le genre. Et qui voit que il a honte de ce public. Ils ne peuvent pas me témoigner devant le public. Jésus-Christ lui-même n'aura pas de témoigner devant Dieu. Maintenant alors. Sans considérer les gens qui sont à côté de toi. Quand que tu puisses considérer ces photographes. Je voudrais que tu puisses mettre tes pensées au ciel. Que tu penses que. Toi que tu t'es mis debout et que tu témoignes solennellement Jésus. Il y a des milliers de chorales qui sont en train d'acclamer. Même les gens d'ici ne sont pas. Mais au ciel. Au ciel. Ils sont en train d'acclamer à cause de toi. Beaucoup de personnes sont debout et ici la place est aussi petite. Moi, je suis là.
Même si vous pouvez essayer, les gens seulement qui seront à mesure d'être ici, les autres vous laisseront dans les places où vous êtes. On voulait vous laisser venir à tout pays ici pour que Satan soit dans la honte. Qu'il voyait combien vraiment on vient de le dépouiller. Alléluia. Vous aviez déjà vu des gens qui viennent devant courir. Vous l'avez dit que le Saint-Esprit les a visités. L'Esprit de Dieu a visité vos cœurs. Yesu Azari Awa. Yesu Azari Awa. Yesu Azari Awa. Namiso. Personne n'est venu d'offense. Je n'ai exigé à personne de courir. Mais parce que vous avez compris la parole, vous avez écrit la parole qui donne la vie. Il
il y a la déclaration. Tugomba twatule. Nous voulons déclarer confession. Alléluia. Uvuge ku mugaragaro. Que tu le dises publiquement. Sans regarder quiconque est à toi. Ngoti mami Yesu. Tu dis mon Seigneur Jésus. Nasane. À haute voix. Tu mami Yesu. Seigneur Jésus. Unamugoroba. Ce soir. Natsinzwe n'ijambo. Je suis vaincu par la parole. Nahisemo. Je choisis. Kukwakira. De te recevoir. Umwami. Comme Seigneur. Umukiza. Et Sauveur. Mwami Yesu. Seigneur Jésus. Nagusaje. Je te demande. Wandike izina ryanje. Inscris mon nom. Mu gitabo cy'ubugingo. Dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Nawe usabe waturi cyakuzanye uvuga uti mama Yesu icacanje da keys ndihanye ndizeye amaraso yawe nyakire nsenga imana mana data ya Aburahamu Isaka na Yakobo mwizina rya Yesu wapfuye akazuka mwizina rya Yesu waduhamagaye mwizina rya Yesu watsinze kuzimu agatsinda urupfu n'icaha Rabiri hanga ry'abantu b'abarundi namahanga kikija hano yapfuye mana inyota n'inzara bafise daturi mu ijuru turaguhamagaye nk'abakozi bawe dusabye imbabazi kuri iri hanga nasabye ubabarire icacu busambanyi icacu busuma icacu bubeshi icacu gukorora inda icacu urwango icacu amacakubiri Itaha chose in the name of Jesus. Mizina rya Yesu. Mizina rya Yesu. Mizina rya Yesu. Amaraso yawe mama babeho. Ukuri cha kubantu. Ukuri cha kubantu. Bataha mahoro. Amazina yabo. Yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ntibibagiranwe. Uhereye umunsi. Bavuye kwa Satani. Baji wawe mwami satan abibagire satan ubavinyuma wacawe turakwirukanye ndukagaruka ukundi abantu baronka amahoro mana abantu baronka amahoro abantu baronka umwitegemvyo abantu bakire abantu burundi bukire namahanga yose ibihugu byose byanje hano mana ibyaha byabo biharigwe uharira icyaha cy'abarundi mana icyaha cy'abarundi mana umwikomo w'abarundi mana inzigo z'abarundi mana amacakubiri mana icyaha cyose amaraso ya Yesu abeze abantu bawe bataha amahoro ibi tubivuze twizera kuko wavuze mwami ngo abantu bitirirwe izina ryawe nibumve izina ryawe mana bakumva izina ryawe rivugwa ijambo ryawe rikabatsinda bakihana uzobaharira uharira igihugu kandi ugikize niko tuvyizeye kandi tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen haleluya haleluya shimimana haleluya shimimana amen shimimana haleluya shimimana amen shimimana Hallelujah, Shimimana, Ave, Shimimana.
arajwa comme moi. Wow! Alléluia! Bego munese. Il n'y a aucune chose. Nakinu nakimwe. Il n'y a aucune chose. Nakinu nakimwe. Il n'y a aucune chose. Kuri iyi si. Dans ce monde. Ijoshe. Qui soit agréable. Kurusha mwijuru. Comme le ciel. Mwijuru. Au ciel. Alléluia. Alléluia. Wow. Même vous giki. Quoi dire encore? Nous allons vous giki. Qu'est-ce que je vais dire encore? Ikangro ya Josh. Le réveil est si magnifique. Ikangro ya Josh. Kubera. Parce que quand le réveil est là, on n'a pas encore à insister aux gens, venez de Jésus. Mais non, les gens viennent et même en courant. Yeshua. Ok. Maintenant, le programme que j'avais heureux que j'avais dépassé un peu, mais tu as visé quand tu gagnes quoi étape pour lesquelles il est temps et il est agréable qu'on puisse aller à l'étape suivante. Vous tous qui êtes devant, vous tous qui êtes devant, demain, ceux qui seront encore ici à Bujumbura, j'ai encore besoin de vous rencontrer. Pour que je puisse continuer ces paroles avec vous. Quand Jésus-Christ a initié 5000, 10000 personnes, mais il y avait d'autres personnes qui se paraient mettre de côté. J'ai envie et je souhaite vous rencontrer encore demain. Qui va rencontrer moi demain? Alléluia. Je suis en train de dire les gens qui ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire vous qui étiez déjà vraiment enfant de Dieu, né de nouveau. Oui, j'ai envie de vous rencontrer aussi prochainement. Mais demain, précisément, demain. Demain. À 15h. À 15h. J'ai envie de vous rencontrer. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de vous donner un numéro de téléphone. Je voudrais qu'on puisse l'afficher sur l'écran. C'est facile, vous allez retenir un numéro de téléphone. Les francophones, ça ne vous regarde pas. Je suis en train de dire les visiteurs qui ne sont pas d'ici et ces visiteurs qui parlent le français, vous n'êtes pas concernés. Seulement, vous pouvez nous écrire sur le numéro de Kanguka qui se trouve dans l'application. Donnons-nous vos noms. Et tu écriras seulement la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 30e, le 22 juillet 2023. Si nous verrons que tu nous as mentionné le 22 juillet seulement, on reconnaîtra. On saura de quoi vous aider, on saura de quoi vous donner. Mais pour vous qui sont à Bujumbura, vous qui serez demain ici, alléluia, alléluia. Numéro, son numéro là, a fils et connaître ceux qui ont et connaître. Numéro, vous pouvez écrire un message gratuitement sur son numéro. Fils est connaître, mais ceux qui sont d'autres compagnies qui n'est pas connaître un message simple. Vous pouvez envoyer un message simple, ça coûte pas cher.
Si vous écrivez vos numéros et vos noms à 8h plutôt, 20h30. À 20h30, cette nuit même, avant que vous ayez au lit, je vous répondrai. Alléluia. Et je vous dirai, le lieu où nous nous rencontrerons demain. Celui qui n'a pas un téléphone ici, il pourra s'adresser aux gens qui sont dans le protocole. Mais je crois que vous avez tous des téléphones. Écris ton nom. Et à 20h30, cette nuit même, tu sauras, on te donnera la réponse pour t'adresser où nous nous rencontrerons demain. Ceux qui ne parlent pas le Kirundi, écrit à travers le numéro qui se trouve dans l'application. Bien saisi. Ce numéro, on le laisse ici encore un petit peu. Pour que nous puissions avoir de l'ordre. Et qu'on entre dans le temps encore plus dur. Je vais vous demander humblement de retourner où vous étiez. Retournez dans vos places humblement. Acclamons le Seigneur alors qu'il retourne. Alléluia. Chimimana. Amen. Chimimana. Alléluia. Shimimana, Shimimana, Alleluia, Shimimana, Amen, Shimimana, Alleluia, Shimimana, Amen, Shimimana, 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 Alleluia, Shimimana, Amen, Shimimana, Alleluia, Shimimana, Amen, Shimimana, Alleluia, Shimimana, Amen, Shimimana, Alleluia, Shimimana, retournez dans vos places, retournez dans vos places. Shimimana, Amen. Shimimana, Alléluia. Shimimana, Sifu Mungu, Alléluia. Sifu Mungu, Amen. Sifu Mungu, Alléluia. Sois loué. Alléluia. Amen. Qui ont la joie par rapport à Kuba. Qui ont la joie par rapport à ce qui vient d'être passé. La parole de Dieu nous a dit qu'une seule personne lorsqu'il s'est repenti, il y a une grande fête dans les cieux. Mais ici nous avons vu des milliers. Et il y en a d'autres qui sont laissés là derrière. Si non seulement ce qui était dit, parce que le réveil est là. Le réveil a commencé. Le réveil a commencé. Alléluia. Alléluia. Pour gagner du temps. Alléluia. Bon, c'est fait, ouais. À tout sommet, Jérémia. Shalom. Allô, moi, on a dit quoi? Eunice. Eunice?
Et il y a un enfant qui s'appelle Enis qui s'est perdu. Voyez, la famille peut-être qui a perdu l'enfant. Elle est ici. Tu vas savoir, je m'en viens, oui, oui, comment tu vas. Dis-toi, Enis. Non, Bernice, non. Ni Benche. Ni Benche. Ok, alors nous avons besoin basé sur le hand, basé sur le hand. Tous ceux qui n'ont pas, tous ceux qui ont perdu les enfants, ceux qui chercheraient les enfants, qu'ils puissent venir de ce côté. Et puis on va vous remettre vos enfants. Ceux qui ont perdu les enfants, les parents qui cherchent ces enfants, vous pouvez venir de ce côté. Les enfants sont ici. Imanishimwe. Gloire à Dieu! Imanishimwe! Gloire à Dieu! Alléluia! Tu es comme nous allons entrer dans la deuxième partie. Imanishimwe! Gloire à Dieu! Tu es comme nous allons prier pour le pays. Qui veut prier pour le pays? Alléluia! Alléluia! Halamasezerano imanishimwe kuri kino gihugu. Il y a des promesses concernant ce pays. Imanishimwe! Gloire à Dieu. Pour ces choses qui se passent maintenant, Dieu l'a préparé d'avance. Il y a un serviteur de Dieu qui est ici au milieu de nous. C'est mon père spirituel. Celui qui m'a aidé, m'a accompagné 9 ans. Et celui qui a permis aussi que le ministère de Kanguka puisse voir le jour. Parce que Dieu lui a parlé sur le Burundi alors qu'il ne connaissait pas où se trouvait le Burundi. Et il allait chercher le Burundi en Asie. Je voudrais lui donner 3 minutes seulement. Et qu'il puisse venir s'approcher ici avec tu as micro à gâteau. Micro, moi. French. Praise God. Imanishimwe. Gloire à Dieu. You know I am from the United States. Je murabizi mvuye muri America. Moi je viens des États-Unis d'Amérique. And I only know a few words in Kirundi. Ariko nza majambo make cyane mu Kirundi. Et je ne connais que quelques peu de mots en Kirundi. Bite. Ni sawa. Et ça va. Imanishimwe. Glory to Jesus. Imanishimwe. Glory to Jesus. Chris m'a demandé que je vienne ici pour donner un témoignage. But before I do this, I want you to look down at your shoes. Mais avant que je fasse ça, je voulais qu'on puisse regarder sur tes chaussures en bas. Everyone look at their shoes. Que chacun puisse regarder sur tes chaussures. Are they clean or dirty? Est-ce que sont nettoyés ou bien ils ont de la poussière? If they are not dirty, you have not dancing up. Si il n'y a pas de la poussière, tu n'as pas de la poussière. Began to pray about Burundi. Ça fait pas mal d'années que nous avons commencé à prier pour le pays du Burundi. But the truth was, we did not even know where Burundi was. Mais la vérité est que on ne savait même pas où se localiser le Burundi. We had to open up the map to find Burundi.
Nous avons pu ouvrir la map, la carte mondiale pour localiser géographiquement où se trouvait le Burundi. Saudi Arabia. Et puis j'ai dit à mon épouse, je crois que ça doit être un grand sandwich qui doit être plein dans la carte. I did not know where you were. Sincèrement, je ne savais pas comment localiser le pays de Burundi. But our Father knows where you are. Mais notre Père éternel connaissait très bien où vous êtes localisé. And he is calling your name. Quand il est hamagara mwizina. Et il appelle chaque individu par son nom. You know this is a special day. Aujourd'hui est un jour spécial. It's a special day for Kanguka. Numusa sanya kubwa Kanguka. C'est un jour spécial, c'est vrai pour le ministère de Kanguka. It is a special day for Burundi. Numusa sanzwe no ku Burundi. C'est un jour spécial aussi pour le Burundi. But it is a very special day for the kingdom of heaven. Ariko numusa sanya kubwa imana no mwijuru. Spécialement, c'est un jour convenablement spécial pour le ciel. I met Chris in 2009. Now you're not J'ai rencontré le frère Chris en 2009. We spent 3 months together in prayer and ministry. Nous avons passé 3 mois ensemble dans l'action de prière. And in those days, God began to give birth to Kanguka. Et pendant ce temps-là, c'est là où le Seigneur a donné l'occasion de naître, le jour de naissance à Kanguka. But later in 2010, I was seated in my living room with my wife. Mais après, en 2010, j'ai été aussi avec mon épouse dans la prière. And we were only praying. Nous étions dans la prière ensemble avec mon épouse. And in my living room, a river opened up. Et puis alors étant dans la chambre, j'ai vu une ouverture. Une rivière de ruisseau qui comme coulait. This river rose up from the floor. Cette rivière, c'est comme si ça jaillissait du sol montant. And it went out the window of my house. Et par après, c'est passé par la fenêtre pour sortir derrière. Alors c'était une grande vision extraordinaire. I said to the Lord, where is this river going? Et alors j'ai demandé, cette rivière qui jaillissait, qui court vers où? And in the spirit, I saw it come to Burundi. This river landed in this country. Cette rivière alors est venue dans ce pays. And this water went into the ground. Et alors la rivière en question, l'eau qui était de cette rivière pénétrant le sol d'ici. And in that moment, many fruit trees began to grow up. Et à partir de ce moment, beaucoup d'arbres fruitiers commençaient à germer. And the fruit came on the trees. Et les fruits se voyaient sur ces arbres fruitiers. It was not mangoes. Ce n'était pas des mangues. It was not bananas. Ce n'était pas des bananes. It was some other kind of fruit. C'était une autre sorte de fruit. And this fruit became ripe. Et puis ces fruits sont mûrs. And it started to fall off of this tree. C'est comme si ça tombait alors des arbres fruitiers plutôt. Some of the fruit landed in this country. Et certains de ces fruits que je vois sur ces arbres tombaient dans ce pays. But in the spirit, I saw this fruit also fall into Rwanda. Et aussi, en esprit, je voyais aussi que Congo. I saw this fall into Tanzania. Tanzania. And in many
many places in Africa and the world. At that time, I did not know what it was meaning. But I tell you today, is a fulfillment of that vision. Hallelujah! Gloire à Dieu! Les fruits, vont commencer à tomber alors. Congo. Les uns au Congo. Togo. Les autres en Togo. Rwanda. Les autres au Rwanda. Cameroun. Les autres au Cameroun. France. Les autres en France. Belgique. Les autres en Belgique. Amérique. Les autres en Amérique. Canada. Et d'autres au Canada. Ici aussi. Le monde entier. Il y aura le réveil. Les fruits tomberont partout. Alléluia. Alléluia. Rapidement, nous allons lire Jérémie au chapitre 10, au chapitre 1er, verset 10. Je vais lire au chapitre 10, plutôt, chapitre 1er, le livre du prophète Jérémie. La Bible dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu attaches, non, plutôt que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alléluia. Mkirundi. Nyam ça. Pasta. Pio. Now so. Ok. Baba. Uyu munsi gushizeho. Kugira. Ubushobozi. Vuga uti ubushobozi. Cyane uti ubushobozi. Ku mahanga. Sur les nations. No ku bihugu. Et sur les royaumes. Yabami. Des rois pour arracher. Les gens de l'autre côté, vous dormez. Devons confesser et déclarer. Ézéchiel, le Dieu lui dira, parle, prophétise sur ce sujet. Nous allons le dire. Nous avons l'autorité d'arracher, de détruire, abattre et de ruiner pour bâtir et planter. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une œuvre courte mais plus puissante. Pourquoi? Parce que nous voulons arracher. Nous allons arracher dans le nom de Jésus. Nous allons arracher dans le nom de Jésus. Nous allons détruire. Je vais vous dire, il y a des choses qui ont été établies et bâties dans ce pays. Depuis le commencement de l'ensemble de ce pays, il y a des choses qui ont été bâties et qui manifestent la puissance du diable. Il y a des autels du diable qui ont été établis et bâtis dans ce pays. Maintenant, nous allons les abattre. Nous allons les détruire. Nous allons les ruiner. Nous allons les détruire dans le nom de Yeshua. Mais avant que ça soit ruiné, nous ne pouvons pas le faire état assis. Si tu veux ruiner, lève-toi. Mets-toi sur tes pieds. Lève-toi. Lève-toi. Je veux que vous compreniez une chose. Toutes ces questions, ces problèmes que nous voyons dans ce pays, c'est que ces problèmes sont très minimes. Et les problèmes, par exemple, de carburant. Les problèmes de Fanta, des boissons Fanta. Les problèmes du sucre. Les problèmes des devises dollars. Ça, les gens se plaignent beaucoup sur ça. Mais ça, c'est comme une personne qui a
des boutons sur le visage. Mais les boutons ont leur origine. Alors maintenant nous allons arracher nos racines. Les racines où se trouvent. Ephésiens chapitre 6 au verset 12. Parce que la Bible dit ceux qui, avec qui nous combattons ne sont pas de chair et de sang. Le problème que nous avons ici au Burundi, les gens, ce ne sont pas les autorités, mais c'est l'esprit, l'atmosphère. Je dis l'atmosphère. Quand Daniel priait, il était dans le jeûne et prière. Dieu l'a entendu. A envoyé un ange pour amener sa réponse. Gabriel était venu. Mais il y a un autre roi qui l'a empêché. Et nous, ce n'est pas ce roi-là de sang. Ce n'est pas le roi court qui avait le temps. Mais c'était un roi de cette. Gabriel a échoué. Mais il a failli que Michael vienne pour amener le renfort et la victoire. Ce qui a été échec au Gabriel. Avec l'ange Gabriel, nous allons prier. Et Michael. Vous n'avez pas encore compris. Nous voulons arracher. Il y a des sacrifices qui ont été donnés. Il y a des choses qui ont été faites. Mais ce soir, nous allons déclarer le seul sacrifice donné à la croix. Nous allons dire ce qui a été fait à la croix. Nous allons détruire. Je vous dis la vérité. Je vais vous dire la vérité. Moi je crois que même la semaine prochaine, il y aura quelque chose qui doit changer au Burundi. Alléluia! Je vous dis encore, la semaine prochaine, ces listes, ces parkings de voitures que voici les stations, ça va être dans le nom de Joshua. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas appeler le carburant. Nous n'allons pas appeler de vise de dollars. Nous allons appeler le roi de Agaze Burundi. Qui digne Burundi. Qui règne à Agaze Bitega. Qui règne à Gitega. Agaze Mozi. Qui règne à Ngozi. Agaze Hos. Et qui règne partout. Majamakerero. Demandons donc. Avise. Ceux qui croient. Avise. Je voudrais voir ceux qui croient en cela. Avise. Ceux qui croient en cela. Mourise. Vous croyez que si nous le confessons, que la parole de Dieu dit deux ou trois, quand ils ont vraiment la convention ensemble dans le cœur, Joshua sera au milieu d'eux. Les visiteurs qui sont ici, vous les Togolais qui êtes ici, les Congolais qui êtes présents, ce feu que vous trouvez ici, amènerez au Congo, amènerez au Cameroun, amènerez partout où vous êtes, amènez en Europe, et dites-le, c'est possible. Oh, c'est difficile pour les hommes. Nous n'allons pas combattre avec les hommes. Mais nous voulons combattre avec les esprits. Les esprits de nous allons les ordonner au Burundi. Nous allons les ordonner ici au Burundi dans le nom de Jésus. Je vais énumérer les provinces du Burundi. Vous êtes province. Quand je vais nommer le nom d'une province, tu voudrais croire au province. Et nous allons confesser que c'est Jésus qui régnera dans Amen. Cette province. Amen. Si nous le disons en croyant, cela aura tout le monde au ciel. Et Amen. Nous verrons des yeux, des choses palpables ici. Qui est le roi de la province de Kirundo? Ah, tu vois, s'il vous plaît. Qui est le roi à Kirundo? Et quand je dis ça, répétez, Joshua, qui est le roi à Kirundo? Qui est le roi à Muyinga? Qui est le roi à Chibitoke?
Mwake. Ine mwami bubanza. Piero uwa bubanza. Ine mwami Kayanza. Piero uwa bubanza. Ine mwami Ngozi. Piero uwa Ngozi. Ine mwami Karuzi. Piero uwa Karuzi. Ine mwami Gitega. Piero uwa Gitega. Ine mwami Mwaro. Piero uwa Mwaro. Ine mwami Muramvya. Piero uwa Muramvya. Ine mwami Bujumbura Rirare. Piero uwa Bujumbura Rirare. Ine mwami Bujumbura Meri. Piero uwa Bujumbura Meri. Ine mwami Urumonge. Piero uwa Urumonge. Ine mwami Bururi. Piero uwa Bururi. Ine mwami Rutana. Piero uwa Rutana. Ine mwami Makamba. Piero uwa Makamba. Ine mwami Ruyigi. Piero uwa Ruyigi. Ine mwami Changuzo. Piero uwa Changuzo. Ine mwami Burundi. Piero uwa Burundi. Alleluia. 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 Yeah. Wow. Pastor, now go to Ira rangi. C'est fini. Yes. Boya. Vous dites non. Vous chakiki bikino. Que vous voulez alors? Vous savez quoi? Priez pour vous. Ni nada kwa kiza. Qui va vous sauver? Qui va vous guérir? Ni nada kwa kiza. Qui va vous guérir? Vous avez chetani. Simba. Vous avez chetani. La puissance de l'ennemi est vaincue. Vous vous acceptez, les imbéciles. Vous vous acceptez. Toutes ces personnes que vous avez vues qui étaient ici présentes, tous ces gens que vous avez vus qu'on a mis de côté, ce sont les mauvais esprits qui sont en train de fuir parce qu'ils ont été vaincus. Mais maintenant aussi, les esprits mauvais vont être vaincus. Quand vous voyez ces gens-là qui sont pénétrés derrière, les esprits de stérilité, les esprits de tout genre de maladie, parce que le lido a été déchiré. Hey! Alléluia. Yeah! Hey! Yeah! Hey! Yeah! Hey! Yeah! Hey! Yeshua! Yeshua! Yeah! Hey! Il y a des moments où je me sens que je pouvais partir. Parce que le ciel est bien. Yes, Jésus est bien. Yes, Jésus est bon, il est bien. Hey, les visiteurs. Il y a un chant international qu'on va entonner. Qui se disent comment? Les visiteurs. Alléluia. Alléluia. Io mana miziza, io mana miziza, io mana miziza, 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 io mana, io mana. L'autre chose que nous allons faire, avant qu'on puisse prier pour les malades, on fait quelque chose. Normalement, nous donnons un cri. Les gens donnent un cri quand ils ont la victoire, qui est palpable. N'est-ce pas? C'est comme ça. Mais pour ceux qui croient, ce n'est pas de la manière. Les gens qui croient, ils ne foncent pas comme Avisera. Ça. Les gens qui croient, ils se donnent un cri avant que les choses soient réelles. Parce que ils ont la foi. Ils marchent sur la foi. Et parce qu'ils croient. Yeah.
échauffement. Ça c'était un échauffement. Aye. Hey. Yeah. Hey. Hey. Yeah. 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 Ouvrez le. Maintenant. Avaria. Ok. Avaria. Nous devons faire du Avaria. Les gens qui sont qui dorment là, il faut les réveiller. Eh, les gens de ce côté là. Malaka vous êtes. Brimasso. Vous êtes éveillé. Brimasso. Vous êtes éveillé. Brimasso. Si vous êtes éveillé, c'est bien. Non, ça vient Yuko. Je vous demande une chose. Alléluia. Eh. Alléluia. Alléluia. Regarde comment Kaluru. Pour vous donner un cri. Lorsque les mines de Jéricho ont été détruites, ils n'ont pas utilisé un marteau. Il n'y avait pas de caterpillar. Mais seulement ils ont tourné. Le septième jour, ils ont donné un cri. Ils ont crié pour la victoire, l'ont encore vu. Et nous aussi, nous allons crier la victoire qui n'est pas encore touchée. Mais nous allons la voir bientôt. Mais nous savons que nous l'avons. Même si nous la voyons, nous l'avons, nous croyons. Amen. Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Je vais compter trois fois. Comme une douleur. Et puis tu te donnes un cri. Tu cries. Ou siffle. Ou siffle. Ou vous dire frimi. Pour que les gens de Kanyosha entendent. L'esprit de Dieu est en train de se faire. Toi qui veux être guéri, lève ta main. Toi qui as un souci, une question de maladie. Que ce soit une maladie corporelle ou une maladie qu'on ne voit pas. Dans son côté, il y a trois personnes qui ont le cancer. Dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont liés. Les gens qui ont la il y a un jeune homme que le Seigneur délivre le nom de Jésus. Lève ta main. Si tu crois. Oh mon Dieu qui est au ciel. Nous venons dans ta présence. Tu la Mushima pour les miens. Merci pour les gens qui ont délivré. Merci pour les gens qui sont guéris et les malades que tu as être. Merci pour les gens qui guérissent l'estomac. Maintenant, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus. Toi qui étais lié. Toi qui ne parviens pas. Toi qui es lié parce que nous ne pas. Dans le nom de Jésus. Les gens qui ont les gens qui ont amené des gris ici. Dans le nom de Jésus. Quand tu quittes ici après être dérivé, que tu les jettes. Et que tu les brûles. Parce que Jésus t'a dérivé. Il y a quelqu'un qui a une piste ici. Dans le nom de Jésus. Oh, que Dieu. Je prie pour les personnes qui sont dans la condition. Les gens qui ont le cœur de, la maladie de cœur. Dans le nom de Jésus. Qui soit guéri. Il y a une maman qui a le cancer du sang. Tu témoigneras. Parce que Jésus te délivre. Au nom de Jésus. Une personne qui a la maladie sur le cœur. Je pense que Jésus te délivre. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a beaucoup d'enfants.
Maintenant, il ne donne pas de mais il y a des chaînes qui sont déliées. Toi qui n'enfantes pas, tu as essayé mes fois. Il y a plus de 10 ans. Joshua te délivre. Joshua te délivre. Joshua te délivre. Joshua te délivre. Oh, diabète. Des dettes. Diabète. Diabète. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont guéris de diabète. YouTube. Il y a des gens qui seront guéris de diabète sur YouTube. Au nom de Jésus. Ceux qui sont liés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mana gushima ku bushobozi Seigneur je te dis mana ubushobozi bwawe parce que ta nuburo wawe et ton feu mana uburo bwawe uburo wawe kumusalaba oh que tu as de la sur kumusalaba ara kwa wari koreye tu as pris igwara sos toutes les maladies kumusalaba ara kwa wari koreye tu as pris les fumoyos toutes les maladies sos vitra jayos au nom de Jésus toi tu sengera abagwaye pour les malades. Il y a des gens qui pour les personnes qui sont gratuits qui reçoivent la vie. Nous déclarons la vie. Tout ce que le diable a pris, nous le retournons maintenant. Maintenant, je il y a des manifestations. Au nom de Jésus. Shimana. Oh, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Il y a des chers honneurs. Beaucoup de mots qui ont été profanés depuis la naissance. Que ces mots soient prononcés au nom de Jésus. Ceux qui ont déclaré de me dire et moi je déclare au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu, soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Dis à toi, laisse-le. Dis-lui, laisse-le. Au nom de Jésus. Vizina Diaz. Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui n'obéit pas Jésus, je le commande de sortir dans ce côté. Il y a trois sorciers et je le dis au nom de Jésus pour toute la puissance que vous avez, ça tombe. La couleur. Laissez les gens prier. Parce que Jésus est mon pouvoir. Jésus est mon pouvoir. Merci Seigneur. Je t'en demande. Tous ceux qui sont de son côté. Il n'y a même pas à maintenant tu viens tu
Merci Seigneur. Abana babiri, deux enfants, parce qu'ils ont un autisme. Qu'ils ont un problème de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. L'autisme, il y a vraiment. Que cet autisme puisse guérir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit, je l'ordonne. Je l'ordonne. Au nom de Jésus. Miracle. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Toutes ces personnes que vous voyez, ce sont des mauvais esprits qui quittent. Que cet enfant, l'esprit mauvais, lâche-le. Dieu a un bon plan pour toi. Esprit mauvais, quitte. Je sais que vous m'entendez. Je sais que vous m'entendez. Jésus est mort pour l'enfant. Jésus est mort pour l'enfant. Jésus est mort pour l'enfant. Sois délivré. Alléluia. Alléluia. Ça ne peut pas s'arrêter. Et il y en a d'autres qui vont faire une manifestation à la maison. Batash. Quand ils seront rentrés. Dans le nom de Jésus. Regarde ici, ne regarde pas. Regarde ici. Regarde. Montre-moi les mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nashaka. Je voudrais. Parce que le temps file. Si nous restons ici jusqu'à 22h, ça ne se terminera pas. Mais il y en a ceux qui sont guéris sur place. Et il y en a d'autres qui vont guérir à l'entrée. Et il y en a d'autres qui vont guérir à la maison. Et il y en a ceux qui vont guérir demain. Parce qu'ils ont la foi. Amen. Amen. Mais ceux qui ont vaincu, ils l'ont vaincu par la parole. La parole. Amen. Amen. Et leur témoignage. Je voudrais donner l'occasion à quelques gens qui vont témoigner. Pour que le diable Satan soit dans la honte. Une personne qui entend qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, lève sa main. Si tu as entendu sans dire dans ton corps quelque chose, lève ta main. Ou bien tu avais des douleurs et maintenant il n'y en a plus. Amen. Amen. Ou bien s'il y a quelque chose qui s'est passé sur toi,
Je vous demanderai de venir de ce côté. Vous viendrez de ce côté. Et vous allez parler avec ces autres. Nous allons écouter quelques personnes. Les autres. Vous irez dans l'application. Ou vous nous enverrez des audios. Dans votre témoignage. Amen. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose de témoignage, puis venir de son côté pour témoigner. Ok. Amen. Alléluia. Now over to France. Même si tu parlerais français. Si tu parles français ou kirundi, nous avons que tu as quelque chose que tu voudrais témoigner, viens témoigner sur quelque chose de ce que Dieu vient de faire sur toi dans ta vie. Pour que la gloire revienne à Dieu, à Jésus. Alléluia. Alléluia. Témoigner. Il y a des puissances dans le témoignage. Quand il témoigne, il y a des délivrances. Dans le nom de Jésus. D'amour. Nous allons écouter celle-ci. Avaïki. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Et qu'on puisse acclamer le nom de Jésus. Si je me mets ici devant vous pour et donner gloire à mon Dieu, à cette heure, si je suis encore en vie, c'est par sa grâce. Itandatu nari mu gihugu cyo nari mu bihugu byo hanze baranjana kwa muganga baraburi ingwara muganga afatwa niki ndafatwa nibintu umenga ni sirikwi ubwenge buragenda ndabwiye ati ni mundu nkike mu gihugu ndumva ko no shobora no gupfira ino ushaka uvuge icyabaye giye nasenga sivyo on aimerait est-ce que tu nous dises ce qui s'est passé immédiatement quand on a prié igihe bako barasenga jewe nije natanguye gusengerwa imbere y'abantu bose nakize numvise munda narimvise ikintu munda j'avais quelque chose dans mon ventre numvise kimvamwo j'ai entendu comme si ça sortait. J'avais une grande fièvre, une grande fièvre qui est sortie dans mon ventre. Amen. Que le Seigneur soit loué. La personne suivante. Soyez bref et nous dites nous ce qui s'est passé au moment où on priait. On ne pourra pas écouter tous les témoignages ce soir. Mais nous allons écouter seulement ceux qui sont ici devant nous. Ceux qui sont dans les places. Vous nous le direz à travers M. Kanguka. Nous allons écouter seulement ceux qui sont devant nous. Ces derniers qui sont devant nous. Pour gagner le temps et soyez rapides. Alléluia. Amen. J'étais au foyer depuis 15 ans. Je n'ai pas eu d'enfant. Et au moment de la prière, l'évangéliste du Tchad. 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 Oui. Vous êtes tchadienne. Oui, je suis tchadienne. Quand le 20. On a fait 4 jours aujourd'hui. Avouez mon kibouli Tchad. Avouez mon kibouli Tchad. Avouez mon kibouli Tchad. Avouez mon kibouli Au moment de la prière, j'ai senti quelque chose qui a bougé dans mon ventre. Non, je crois que Jésus m'a guéri. Je crois que Jésus m'a guéri. Non, ne l'aimez pas, tu vas Amen. Amen. C'est bon? Oui, amen. Tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Ah, tu es guéri au nom de Jésus. Si, alléluia. Vous croyez qu'il a? J'ai la foi. Amen. On a qui s'est mis en Jésus? Ah, viens nous ça. S'il vous plaît. Nous allons nous limiter à ces derniers qui sont ici seulement. Alléluia. Amen. Je suis congolaise de Kinshasa. Nous vous aimons les Congolais de Kinshasa.
Je suis malade de l'estomac. Nalingwa estomac. Quand je suis là, j'étais là. J'ai senti, quand on a commencé à prier, j'ai senti les vertiges. J'ai commencé à vomir. Et mon gars, c'est un gars. Mon fils, mon coupeur, mon tawa. N'adachoué. Commencé à vomir. N'attendre que tawa. Commencé à faire les renvois. Une grosse envoie. Quand on veut bien se nasser, on va vous dire comment on va. J'ai senti. Non visé. J'ai commencé à trembler. Non, Banjukumira. Je ne peux pas parler. Je remercie les gens qui ont fait ça. Ok, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, nous allons acclamer Dieu, donner le goût à Dieu. Alléluia! Alléluia! Tout doux, tu dis, quand ça te passe, alléluia! Alléluia! Nanje nari maze imyaka irenga 5. Ça fait plus de 5 ans. Ubu gutwi kumwe. Ubu tuhe jenave. Ubu kuhe. Uko ndukwe kumva. Uko niko kutumva. Ko kutumva. L'oreille droit n'entendait pas. Ubu kurumva neza. Et maintenant je suis délivré. Quand on a commencé à prier. J'ai senti des choses qui sortaient dans mon oreille qui étaient trop froides. J'ai senti quand on priait des choses froides qui sortaient dans mes oreilles et j'ai tremblé moi-même. Je ne sais pas comment je suis tombé par terre. Mais quand je suis tombé tout en criant au secours du nom de Jésus. Et maintenant, tous nos oreilles entendent. Alléluia. Soyez bref, s'il vous plaît. Dis ce qui s'est passé. Alléluia. Je voudrais témoigner. J'ai amené un enfant malade. Il y a quelque chose qui attaquait mes enfants vers minuit et qui les égorge. Le premier, je l'ai amené dans la chambre de prière, a été délivré. La même mère, après quelques mois, un deuxième a été attaqué. Je l'ai amené chez le médecin après avoir passé dans la chambre de prière. Un enfant est guéri qui avait un souci de maladie d'attaque. À cause du temps, sois bref, parle immédiatement ce qui t'a passé. Et au moment où on priait et qu'on criait, j'ai crié, mais je sentais que si le souffle était fini pour moi, mais j'avais aussi des douleurs au niveau de l'estomac quand je suis venu. Après, j'ai senti la chaleur et puis j'ai commencé à vomir. Et maintenant, je me sens très bien parce que mon ventre m'a lâché. Amen. Ce qui s'est passé quand on a prié, dites-le. Quand on priait, c'est lui qui avait la pepsi. C'est la personne qui était malade de pepsi. Et maintenant, il me sent que je suis un peu bien. Ce n'est pas un peu bien, mais tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, mais c'est par la foi que nous marchons. Amen. Moi, ce qui m'est passé, c'est parce que j'avais la cancer de sang. J'ai senti beaucoup de foi.
J'ai senti beaucoup de fois quand on priait, et c'est la personne qu'on m'avait mentionné, comme quoi j'avais le cancer de sang. J'ai senti beaucoup de foi. Et j'ai senti le bouc de comme de pierre qui était dans mon sang. Ok. Je l'ai guéri. Alléluia! Alléluia! Et reçoit la joie parce que les douleurs qui étaient dans son sein ne sont plus. Toutes les personnes, vous voyez, sont nombreuses. Alléluia! Amen. Yes, I sing it. Amen. J'avais un problème de tension cœur, le cœur. Je prends les médicaments tous les jours et je ne pouvais même pas me tenir debout pendant 30 minutes. Mais depuis, je suis ici debout et dans la joie. Et quand on priait pour nous, j'ai toussé beaucoup et j'ai vomi. Alléluia! Acclamons le Seigneur parce qu'il m'a délivré. Yes, Nashim. Gloire à Jésus. Je suis venu ici avec des douleurs de dos. Et j'avais aussi un esprit de maladie, une maladie d'estomac. Mais quand on a commencé à prier, immédiatement j'ai senti quelque chose qui s'est derrière de mon corps. Alléluia! On a prié de sentir la force dans mon cœur. Alléluia! Maintenant je suis rempli de joie. Les hommes aussi, Dieu Amen. Les aime. Il y a des hommes qui ne témoignent pas. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je loue le Seigneur. Je suis venu avec des douleurs au niveau du cou. C'est comme si je voulais retourner à la maison parce que je sentais que je n'allais pas tenir. Mais quand on a commencé à prier, j'ai senti que tout ce qui est parti, je suis libéré. Amen. Amen. Yes, ashimwe chan. Amen. Ndashima Imana mvuye ngai Imana nkicije ibintu bibiri. Je quitte si je suis venu ici pour témoigner de choses. J'ai commencé par l'oreille qui avait des... Mais quand on a prié, j'avais des soucis au niveau de mes oreilles. C'est comme si j'avais des choses de bouillonnement dans l'oreille. Mais quand on a commencé à prier, comme si quelque chose est sorti de cette oreille et j'entends. Maintenant, j'entends dans mon oreille. Et mon pied aussi droit est guéri. Et je remis le Seigneur beaucoup. Amen. Les gens augmentent davantage. Yes, I'm going. Que Jésus soit loué. Je n'ai jamais cru en lui. La personne en question qui est ici était guérie de ce problème de poitrine qu'il a souffert depuis déjà 10 ans. Mais quand on a commencé à prier, tout cela s'est lâché. Maintenant, il est libéré. Amen. J'avais un problème de dos. Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'avais des problèmes de dos. Et quand après, c'est comme si j'ai senti des migraines au niveau de mon côté gauche. Et maintenant, tout est fini. Il est dérivé aussi. Amen. Shalom. Je m'appelle Janine. Je suis haïtienne. Je viens de France. Ni toi. Janine, vous êtes de France.
uyu ava mu gihugu cyo muri Haiti ariko aba mu gihugu cyo mu Faransa. Mon témoignage ce soir depuis mon arrivée ici au Burundi. Icyo ngomba gushinga nta imana kuva nshise gaha muri iki gihugu cy'u Burundi. J'avais un écoulement de sang. Nari mfise gusenya amaso amaraso yava mu mazuru umwuna. Moi je croyais que c'était le climat parce que j'étais pas comme ça avant. Je vois si natahuri vya rivyo na nibaza ngo nibaza kuko se natahuri za rivyo. Au moment de la prière, ariko mu gihe cyo gusenga, j'ai senti le nez est dégagé. Et jusqu'à maintenant, il n'y a plus rien. Non, mais ça m'a zuru en jayou gourouté. Non, nous, n'a qui nous n'a qui m'a fait cette chingolane. Et aussi, et j'ai un cuisse dans le foie. Dans le foie, au moment de la prière, j'ai senti un tranchement. Et après, je sens rien. Alléluia. Quand il n'a rien sans fils, il qui vit imbé mon foie, non, il n'y a pas de sang, non, il s'est vu, c'est un mengo qui l'a taboute, il a guéri un habou, il a guéri un habou, il a guéri. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mudunzi bizanda byanyu bitu. Hanyuma cyabaye twitwasenga. Je cyambaye ko narimaze iminsi mfise imisonga ga mu mutima. Javé beaucoup de douleur au niveau de ma poitrine. Nija kwa muganga. Barabura ico ngwaye. Mais chez le médecin on n'a pas trouvé ce quoi je souffrais. Niki zanga tugisenga. Quand on a commencé la prière ici, toutes les douleurs sont finies. Maintenant, je suis libre. Le suivant ou la suivante? L'heure avance. Peut-être qu'on ne pourra pas vous entendre tous. Les personnes dont on ne parviendra pas à entendre, alléluia, vous allez témoigner en donnant votre audio dans l'application Kanguka. Jésus soit loué. J'ai quitté ma maison avec beaucoup de douleurs et je soufflais mal, je respirais mal. Mais quand on a commencé la prière, j'ai senti comme si mon cœur battait rapidement et j'ai dit même à ceux qui étaient autour de moi, entends-moi comment le cœur bat, mais maintenant tout est fini. Nous allons écouter seulement 5 personnes. 5 personnes. Et les autres, je vais vous supplier. Vous nous donnerez votre Dieu. Soyez patients et patientes. 4 personnes suivant la 5e qui est là. 4 personnes qui vont suivre celle qui fait 5. Alléluia. Amen. Moi j'avais le problème des nerfs sciatiques. Je suis du Congo. Maintenant je fermais les yeux. J'ai entendu une voix qui me disait ouvre les yeux, ouvre les yeux. C'est le moment où le pasteur a dit il y a une personne avec le problème des nerfs. Oui. Là, je me sens bien et je sais que alléluia. Quand vous êtes en Union Vanessa, quand vous êtes en Union, tu vas le chirichimana. Il nous reste combien? Bane. Il nous reste 4 personnes. Agri-Unaza. La suivante. Bane. Agri-Unaza. Envoie-moi 4 personnes seulement. Imani Shimwe. Adieu. Qui a la joie? Qui a la joie? Qui a la joie? Qui a la joie? Alléluia! 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 Je vais vous demander de retourner dans votre place. Nous allons continuer prochainement. Retournez dans vos places pour gagner du temps. Vous avez vos audios sur l'application Kanguka. Je vais qu'on puisse faire quelque chose. Je vais demander à notre bien-aimé David que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia.
Je vais lui demander qu'il nous cherche quelque chose de chaud. Et que nos chaussures aussi puissent avoir de la poussière. Parce que nous voulons danser pour le Seigneur. Nous allons danser pour le Seigneur. David a dansé pour le Seigneur. Et son habit, son tablette était tombé même. Son épouse l'a moqué. Mais Dieu n'a pas été dans la joie de sa femme, mais Dieu a eu la joie à cause de David. Il s'est réjoui de David. Haguruka, haguruka. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Haguruka. Dosé qui donc, ok, la bénédiction à haut, une fois à haut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tu bloques, ok, mite que vous candy, insulatumi. Alléluia! Tu as dit la bénédiction à haut, tu vois à haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, musique. Mouchamou bloca, ok? La bénédiction à haut, tu vois à haut. Hallelujah! Amasini mundo kumame. It's a mighty choice, and it's a yes.